Bonjour à tous, c'est Arcane en direct de StarClick. Alors, si vous ne connaissez pas StarClick, c'est tout simplement une grande aventure entre plusieurs joueurs, youtubeurs, etc. Donc il y a deux factions qui s'opposent, il y a les Clickia et les Starvia. Donc c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, deux leaders charismatiques, il y a Starvet et Alex Click. Personnellement, je me retrouve dans la team d'Alex Click. Oh non, pourquoi? Non, je rigole, j'ai choisi ma team, je lui ai demandé, il m'a accepté. Et donc, je fais partie de cette grande aventure et je partage d'agréables moments en compagnie également de Foxine, Musaren, ainsi que d'autres personnes qui seraient longues et fastidieuses à énumérer, mais vous les verrez peut-être au fur et à mesure de mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans cette aventure? Eh bien, tout simplement... Comme je vous l'ai dit, il y a deux factions, ce qui veut dire du PVP, mais aussi de la construction, de l'aventure, etc. Plein de choses en perspective. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai commencé à jouer, non pas à l'instant, mais il y a quelques semaines, je pense une ou deux semaines, et j'ai travaillé sur divers projets, dont notamment le château qui se trouve juste à côté de moi, mais je ne vais pas vous spoiler, car je sais que Alex Click prépare des petites vidéos de temps à autre, et nous sommes un peu en décalé, donc moi je vais m'occuper d'abord de tout ce qui concerne mon côté, et puis par la suite vous verrez peut-être mes actions sur la construction, etc. Car oui, je suis un sous-fifre, et j'offre mes mains au service de sa majesté Alex Click. J'ai donc participé à déjà plusieurs choses, mais je n'ai pas vraiment pris le temps de me créer, on va dire, une petite base, quelque chose de bien sympathique. Et c'est sur cela que nous allons commencer. Donc je vais chercher à me construire une base, à me stuffer, histoire de me mettre bien posé en diamant, enchanté, etc. Je vous réserve tout cela pour la suite. Nous allons tout de suite partir dans les mines, c'est là que je vous retrouve. Alors, nous descendons donc dans les mines... qui ont été creusés par les amis Musaren, Foxine et Alex Click. Ils se sont bien acharnés, donc je ne vous fais pas la visite tout de suite. Je vois qu'il y a des squelettes qui m'en veulent. Ah bah oui, c'est bien ce que je disais. Je ne vous fais pas la visite immédiatement, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Ah, je vais juste aller taper 2-3 mobs, histoire de gagner des niveaux. On voit que mon épée n'est pas très puissante. Une carotte, ça fait plaisir. Sachez tout d'abord que les personnes dont je viens de parler sont déjà bien stuff, elles ont déjà tout ce qu'il leur faut, des armures, des armes, des bouquets d'enchantement, tout ce qu'il leur faut. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a des petites bases, etc. Il y a des bibliothèques, des livres enchantés dans le coffre, il y a la table d'enchantement et compagnie. Je vais quand même utiliser certainement cette table car les livres peuvent se révéler être utiles pour enchanter forcément. Et peut-être également, là, il y a une ferme XP. Ça pourrait être sympa aussi, sachant que j'ai déjà 18 niveaux, mais on essaiera de crafter des armes, etc. avec des bons enchantements, quitte à s'y reprendre plusieurs fois. Alors, ce que je vais faire dans la première partie, c'est tout simplement construire une petite base, puisque ici, je ne sais pas qui a construit sa base, peut-être Foxine, Musaren. Et je vais me construire une petite base à proximité, sachant que il y a par ici des tunnels. Donc, il y a eu du minage de petits dans le coin, oh oui. Et je vais trouver un petit endroit où me poser gentiment. Alors je pense que par ici ça devrait le faire, je vais me faire un petit trou et on va faire un truc sympa. Allez c'est parti, je vous retrouve quand j'ai un petit peu miné. Il y a des zombies à proximité en tout cas. Et voilà, j'ai terminé on va dire ma petite salle qui me servira de logement, d'abri et de base temporaire. Puisque comme je vous l'ai montré au début de l'épisode... Il y a le château qui servira de base, on va dire, avancée. J'ai mis mon lit, des petits fours, ma table de craft, mais il me manque encore un coffre. J'ai mis un peu de déco, vite fait, bien fait, quoi. Rien de bien compliqué, ça reste une grotte, n'empêche. Et ce qu'il me manque, eh bien, c'est du bois. Alors, avant d'aller chercher du bois, je voulais juste vous montrer, parce que j'ai quand même quelques éléments dans mon inventaire, notamment une armure en fer. J'ai des épées, des carottes, enfin 2-3 trucs que j'ai droppés par-ci par-là. J'avais trouvé des champignons, donc je m'étais fait à manger. J'ai du charbon, ça c'est déjà fait. Et j'ai eu la chance de trouver 2 émeraudes au cas où je tomberais sur un village PNJ par la suite. Ça pourrait toujours être utile. Donc si vous avez bien vu, je n'ai pas beaucoup de fer. Il me reste 7 pioches. J'ai une simple armure en fer. J'aimerais bien me faire quelque chose en diamant.
une épée, peut-être une pioche en diamant aussi, enchantée, parce que je vous rappelle quand même que c'est un serveur PVP. Alors, c'est vrai, c'est un serveur fun, il faut pas l'oublier avant. Je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est un serveur fun. Mais cela n'empêche que j'aime pas trop me prendre des coups, surtout si je suis stuffé comme un paysan, ça va pas trop le faire. Donc, on va aller chercher du bois. C'est parti, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Et nous sommes ici dans notre ferme à bois. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'arbres, un petit peu par-ci par-là, etc. Et il y en a déjà dans les coffres, regardez, hop. Mais je pense que je vais en profiter pour couper un peu de bois vite fait. Comme ça, je n'aurai plus qu'à le remplacer par la suite. Histoire de générer, ne pas prendre dans les ressources, puisqu'on en aura besoin certainement par la suite pour construire notre château. Qui n'est pas une chose aisée, une masse à faire, dirons-nous. Hop, on continue. Non, je prends encore un peu. Il manquera juste les pousses d'arbres. Alors, attendons que les pousses tombent. Ah, voilà une. Hop. Peut-être dans le coffre ici. Ah, il y en a ici dans le coffre. C'est parfait, comme ça on replante directement. Et on retourne dans notre grotte. Nous voici de retour. Et craftons tout de suite quelques coffres histoire d'entreposer nos ressources. En espérant qu'on ne vienne pas nous les voler. Hop, tchac. Ah, c'est parfait. Un petit coffre. Et comme vous le voyez, je vais le verrouiller. Hop, je vais écrire Arcane si je ne me trompe pas. Oui, bon, on va écrire comme ça, on saura que c'est à moi. Je vais donc, je l'ai privatisé, je vais y mettre 2-3 petites choses. Le champignon, la carotte, ça, ça. Le fer, je vais le garder avec moi. Je vais mettre mon charbon dans mes fours. Oups. Si je fais des bêtises, ça n'ira pas. Je vais mettre donc mon charbon dans les fours. Non, on va mettre 34. 32, pardon, dans chaque. Et le reste, on va placer là. Hop, tchac. Comme ceci. On ajoute la cobble, la stone. On risque d'en avoir besoin si on va miner la hache, je ne pense pas, et ainsi de suite. Voilà, on se débarrasse de tout ce qui ne nous servira pas, puisque après je vous épargnerai tout cela, mais je vais aller miner pendant quelques heures. Non, je rigole, je vais aller miner, mais je ne vous donnerai que le compte rendu de mon minage, histoire que vous voyez un petit peu ce que j'ai trouvé. Allez, on est paré, on y va, on se fait quelques torches. Oups, ça ira pas. Hop, je pense que je devrais en avoir assez. Oui, j'en aurai assez, j'ai au moins un stack, donc c'est bon. Je vais maintenant tâcher de trouver une petite place où miner, parce que, comme vous le voyez, Foxine et Musarène ont miné, je pense, jusqu'à l'infini. Non, je ne sais pas, on va aller voir. Ils ont dû aller très très loin, à mon avis. Il y a des monstres. Ah, un creeper, tiens. Coucou. Non, non. Bon, et non, tu crois que tu peux m'avoir. Et tu ne m'auras pas. Ah oui, donc, si vous voyez en bas dans le chat, je gagne des clics lorsque je tue des creepers. Les clics qui pourront me servir par la suite. Et donc, la mine de petit s'est arrêtée ici. Je dis, c'est parti. Il y a des slimes, il y a des slimes. Dans des slimes. Ah, ça, c'est pas mal du tout, une petite boule de slime. Et si on tombe sur des monstres ou des cavernes, eh bien, je vous ferai un petit arrêt sur image. En attendant, c'est parti pour le minage opti. Rentrer chez ce tranquille. Ouh.
Alors, de retour à la base avec un bien maigre butin, puisque je n'ai pas engrangé grand chose. Regardez un petit peu ce que j'ai trouvé. Oui, faire, bon, ça va encore, mais j'aurais pu en trouver plus. De la redstone, oh, c'est chouette ça. Et un peu de charbon. Surtout de la cobble, mais celle-là, cette cobble, je vais la garder précieusement, puisque elle servira lorsque nous construirons le château, enfin la suite du château, puisque le château est fait en dalles de pierre, enfin en stone brick comme ceci, en briques de pierre. Nous aurons donc besoin de beaucoup de cobble que nous allons faire fondre. Et vous avez peut-être pu entrevoir les fours, notamment ici, je pense. Il y a une belle armada de fours dans lesquels nous faisons fondre tout ce qui concerne cette stone brick. Alors, mis à part cela, eh bien, je ne vais pas m'arrêter là. Ça aurait été, je veux dire, je ne vais pas relâcher les efforts après aussi peu de temps. Je vais juste faire un petit arrêt pour déposer tout ce qui concerne la cobble. Je vais me crafter des coffres pour mettre tout cela. Sinon, ça n'ira pas. Je vais les mettre, je sais pas, je vais essayer de les cacher quelque part. Peut-être par ici, puisque de toute façon on fait fondre. Donc je vais essayer d'en mettre. On va les mettre dans le mur, allez hop. On en met un dans le mur, comme ceci. Tchac, tchac. Hop, et on nous met toute cette cobble. Et je crois que j'en avais encore dans mon coffre, donc je vais la chercher. Histoire de pouvoir l'ajouter à celle-ci. De toute façon, là, ça, la cobble, j'ai pas besoin de le protéger. C'est pas comme si c'était une ressource assez rare. Et de toute manière, qui viendrait me la voler? Alex Click? Alex Click, le troll qui viendrait me voler ma cobblestone. Ça serait original au moins, non? Mon fer est fondu, je vais le prendre avec moi. Donc, je suis quand même revenu une autre fois pour crafter des pioches en fer. Je n'ai pas pris de table de craft avec moi. Je vais peut-être d'ailleurs m'en faire une. Histoire de pouvoir crafter à proximité. Et je vous dis rendez-vous d'ici quelques minutes pour voir la suite de mes récoltes en minage. Et me voici de retour dans ma petite casbah. Donc j'ai fini de miner. J'ai pas trouvé énormément de choses en termes de diamants. Comme vous le voyez, je n'en ai que 7. Par contre, j'ai trouvé pas mal de fer. De la redstone, mais bon, ça, on s'en moque un peu. De la cobble, ça pourrait être utile pour les constructions. Et en gros, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, du coup, je me disais, comme j'ai quand même pas mal de fer, pourquoi ne pas me crafter une nouvelle armure et l'enchanter avec par exemple du niveau 30 ou même des livres, enchanter des livres pour être sûr de ne pas me tromper, afin d'avoir une bonne armure en fer bien enchantée et ne pas tout de suite passer par l'armure en diamant. Donc ça, je sais pas, à mon avis je vais peut-être faire ça. Par contre, comme j'ai 7 diamants, je vais certainement faire une épée, et il me restera alors assez que pour faire un chapeau par exemple. Donc je vais peut-être déjà faire ceci. Je vais certainement commencer par me faire une épée. Donc je vais mettre les ressources que je n'utiliserai pas ici. Donc ceci. On va faire fondre notre fer, notre or, parce que j'ai un peu d'or aussi. Oui, donc le fer, on va faire ça comme ça. J'aurais peut-être intérêt à rajouter un peu de charbon dans le four du fer. Ça risque de prendre un peu de temps. Et on va se crafter une petite épiridium après avoir mis la cobble dans mon coffre spécial. Hop, tchac, tchac. Comme ceci. Et donc, je vous en ai peut-être pas encore parlé. Mais il y a une ferme à XP. Si je pense vous en avoir parlé au début de l'épisode, il y a une ferme à XP. Du coup, je vais aller farmer dans la ferme à XP pour récupérer des niveaux. Donc là, je suis presque niveau 30. Ça sera déjà une chose. Je vais peut-être essayer d'enchanter des livres pour l'épée en diamant.
Et on verra par la suite. Alors, hop, non, pas là, ça n'ira pas. Une petite épée. Et du coup, un chapeau pointu. Voilà, ça nous fait déjà deux éléments. Et voilà. Alors, notre fer fond. Parfait, parfait. Et je vous dis à tout de suite pour enchanter nos petits items. Et voilà, j'ai terminé ma session d'XP pour le moment en ce qui concerne les pures diamants, puisque c'était l'élément primordial que je voulais enchanter. Et je vous réserve une petite surprise, puisque j'ai trouvé deux sympathiques livres qui pourront nous intéresser pour les pures diamants. Donc je vous les montre tout de suite. Il s'agit d'un livre Sharpness 4, ce qui me semble quand même assez correct, hein. Et un autre livre, Knockback 2, donc je les ai enchantés niveau 30 à chaque fois. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, je les ai laissés les autres dans un coffre si jamais d'autres personnes voulaient les utiliser. Et je vais tout de suite les enchanter, mais le souci, comme vous pouvez constater, c'est que je n'ai plus d'XP. Donc je vais devoir aller refarmer encore et encore jusqu'à pouvoir avoir assez d'XP. Et me voilà fait après, j'ai un peu farmé le zombie. Et je vais pouvoir aller emprunter l'enclume d'un ami Foxy Musaren ou Alex Click afin d'enchanter cette magnifique épée. Donc regardons tout d'abord 3 pour le Knockback 2. Donc ça va, ça passe. J'ai 14 niveaux donc ça devrait suffire amplement. Et voyons si on peut rajouter l'autre. Donc encore 9 niveaux, bah ça tombe bien. Et ça ferait une Knockback 2 et Sharpness 4. Peut-être que je saurais à 16 niveaux aussi si je la change de nom. Moi, je vais pas lui changer de nom, je vais laisser comme ça. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on pourra toujours changer après. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va sortir. Et voilà que je me suis fait arnaquer. Bon, bah c'est reparti pour un tour. Et non, pourquoi tant de haine? Ce vieux bug, moi je vous le dis. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, je ne vais plus me faire avoir, puisque je ne vais plus changer ce nom à la con. 9 niveaux, voilà. C'est quand même mieux comme ça. Knockback 2, Sharpness 4. Alors, il ne nous restera plus qu'à faire l'armure, mais je ne sais pas si pour finir je vais pas essayer de miner en off, histoire de me compléter mon armure. Et au prochain épisode, bah, vous me verrez en armure complète diamant enchanté, histoire d'aller défoncer ces petits lascars d'en face. Bon, sur ce, moi je vais un petit peu XP encore pour récupérer des enchantements sympas. Et je vous dis à tout de suite. Alors les amis, je nous ai chopé un petit livre très intéressant, puisque j'ai eu Protection 3, qu'on va pouvoir mettre avec notre petite couronne, afin de... équipé histoire d'avoir un peu le swag. Hop là, bon, c'est déjà ça pour le moment. J'ai passé plus de temps à farmer l'XP qu'à miner, mais bon, c'était aussi le but. C'est déjà ça. Et maintenant, notre fer est terminé, notre or aussi. Donc, après tout ce temps là, on va pouvoir le rajouter à notre collection. Et voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Je vous dis donc à bientôt dans un prochain épisode où vous aurez droit à du PVP. Peut-être pas grand d'envergure, mais il y aura de l'action, je le sens bien. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo. Par où on sort déjà? C'est par là, non? Ah oui. Ah, zombie.